Europe 1, circuit court. Circuit court jusqu'à 14h, c'est avec Maxime Switek et Anne Le Gall. Le portrait. Le portrait d'une personnalité qui agit à son niveau pour rendre le monde plus solidaire, c'est tous les jours avec vous, Cyrielle Ariel. Aujourd'hui, portrait d'une ancienne pianiste qui démocratise la musique classique. Il s'agit de Gisèle Magnan. Oui, à 48 ans, en 2005, cette pianiste a décidé d'arrêter les concerts pour se consacrer pleinement à son association Les Concerts de Poche, qui permet de donner accès à la musique classique aux habitants de quartiers isolés et les ruraux. L'objectif de cette association, c'est de créer du lien social pour tous les habitants du 21e siècle, selon ses mots, grâce notamment à des ateliers musicaux et des concerts de musique classique, de jazz, d'opéra avec des artistes de renommée internationale. Depuis 2005, 7000 ateliers musicaux gratuits destinés à un large public, que ce soit des enfants de primaire aux personnes âgées, et 700 concerts ont été organisés. Et cette initiative lui est venue à Alexandrie en Égypte à la suite d'un concert où elle a rencontré un homme de ménage. J'étais effectivement en train de répéter un récital dans une salle de concert où je me croyais seule au moment de la répétition. Et je me suis aperçue qu'il y avait un monsieur qui était là pour balayer la salle tout simplement et qui s'est complètement ému d'écouter la musique de Beethoven et de Ravel que j'étais en train de répéter. Et je lui ai tout de suite dit qu'il fallait qu'il vienne au concert le soir. On a essayé de se comprendre, on ne parlait pas la même langue. Et il m'a signifié que malheureusement, il n'était pas d'une société, lui, qui pouvait lui permettre de rentrer dans cette salle de concert le soir. Et alors, depuis 2005, est-ce qu'il y a une personne, une anecdote qu'elle retient en particulier? Oui, il y a d'autres anecdotes, notamment une personne au chômage qui habitait dans le 91, qui après avoir suivi les ateliers de chant sur une durée de 6 mois, a lancé aujourd'hui son propre commerce. Il a ouvert une boulangerie, il a repris complètement un emploi, une activité, il chante toutes les semaines et il est hyper heureux d'avoir pu reprendre pied, reprendre confiance en soi, reprendre confiance en lui et être dans la vraie vie à partir du moment où il a osé chanter, retrouver sa voix, ses sensations et monter sur la scène avec les artistes des concerts de poche. C'est beau. C'est beau, ouais, c'est une anecdote et d'autant plus que ça arrive souvent d'après elle. Et c'est d'ailleurs pour cela que son souhait d'ouvrir 2 à 3 nouvelles hôtels en France. Pour Gisèle Magnan, la musique permet de réconcilier des familles et des habitants d'une même commune. Et en plus, son association a permis de créer 25 emplois à plein temps et d'embaucher 800 artistes par an. Et pour ceux qui habitent près de Lille, rendez-vous le 9 février pour le prochain concert à Ronchin. Merci Cyrielle Ariel.